Ils avaient déserté les ravageurs depuis qu'ils avaient entendu parler des élus de Thanos. Ils voulaient à tout prix les rejoindre, car Thanos pourrait leur apporter sa bénédiction et les rendre beaucoup plus forts. Drogo, le colossal guerrier, préférait parler avec son sabre, mais était encore plus tranchant dans ses paroles. Psycho, lui, est un être instable. Il était dérangé psychologiquement depuis tout petit, après avoir voulu mettre un coup de boule à un rocher. Ou peut-être était-il déjà dérangé bien avant ça. Peu importe, ils étaient prêts à rejoindre les élus de Thanos, et Hurricane cherchait toujours de nouvelles recrues. Et salut tout le monde, ici Hurricane, et nous voilà repartis dans nos folles aventures sur Kenshi avec deux petits nouveaux, enfin dont un grand surtout. Hein. On a ici Drogo et Psycho, deux anciens ravageurs. Il y en a un qui est vraiment ravagé surtout. Hein. Vous avez vu un petit peu cette tête de Psycho, sérieux? Ah, il me fait kiffer moi, j'adore. Hein. Il a vraiment une tête de... pas de gros psychopathe, hein, je sais pas. Ou il a vu un fantôme, je sais pas, et puis il est resté figé toute sa vie comme ça. Bon, Drogo lui tire un peu plus la gueule, hein. C'est pas le même regard, hein. C'est pas la même chose. C'est pas grave, ils nous rejoignent, ça nous fait deux personnes de plus avec nous. On va regarder vite fait leurs stats, elles sont assez équilibrées, voilà, un petit peu du 25 de partout, donc comme ça ils débutent pas de rien. Ça va être bien, comme ça c'est pas des petits nouveaux hein, qui viennent d'arriver dans le groupe là. Hein. Ils avaient déjà un petit peu combattu chez les Ravageurs, donc ils savent ce que c'est que se battre. C'est pas des pros non plus, mais ils vont peut-être le devenir, hein, on va bien voir. Voilà, donc ils ont plusieurs possibilités au niveau des armes, mais je pense que Drogo, il va se battre au sabre. Là, il en a un qui est un peu pourri, mais le jour où il rentrera à la cité, on lui en fabriquera un qui est bien. Donc pareil, hein, l'équipement, du coup, c'est du standard encore. Bon, la chemise, à mauvaise qualité, ça en standard. Pour ce qui est de Psycho, bah ouais, c'est le même équipement aussi, standard, et ça en mauvaise qualité. Après, quand même, ça nerfe pas mal, je crois. Ouais, dextérité, ça fait du 0,8, ça. C'est tout, après, au niveau des compétences qui nous intéressent. Je regarde la couverture aussi, poitrine, bras droit, bras gauche, ok, ouais. Ventre et tout, 100%. Ouais, c'est pas nul, mais c'est pas... ils garderont pas, hein, de toute façon, cet équipement-là, ça c'est sûr. On va devoir le laisser pour le moment. Lui, il a ses classes des sabres. D'accord. Épée longue, c'est considéré comme un sabre. Ok. Bah, de toute façon, Psycho, on va regarder ses stats. Il est aussi assez équilibré, peut-être un poil moins fort que Drogo. Mais voilà, ça nous laisse le choix au niveau des armes. Peut-être que je lui filerai un katana ou un hachoir. Ou une arme contendante, du coup. Ouais, on verra bien. En tout cas, c'est cool. Ça nous fait deux personnes de plus. Avec des bonnes gueules, hein, sérieux. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien leur tronche. Surtout Psycho, il me fait triper quand même. Il me fait bien triper. Il a l'air bien sérieux, bien violent, bien méchant. Allez, on verra ça sur le champ de bataille. On va un petit peu continuer. Attendez, je vais retirer parce que du coup, ils sont en attendre. L'hostie, ouais, mais l'hostie... Alors, pour la petite histoire, j'ai envoyé Naya avec l'hostie sur le dos. Dans les Deadlands, à la ville désert noir, je voulais voir si je pouvais lui acheter une jambe, histoire qu'elle continue quand même l'aventure avec nous. Malheureusement, petit détail que j'avais un petit peu omis, c'est que la faction des squelettes, vous voyez, on est à moins 78, et ça comprend aussi tout désert noir et tous les squelettes qui sont là-bas, donc voilà, je me suis baladé là-bas, ils ont tous cherché à me tuer. Donc ça c'est fait, j'ai envie de dire, on n'est pas accueilli là-bas, donc je sais pas où est-ce que je vais pouvoir acheter une jambe à l'hostis, et si les squelettes veulent notre mort, et si les machinistes aussi sont contre nous, ça va être compliqué. Si on fabrique pas nous-mêmes, je pensais pas les fabriquer, tout ce qui est membres robotiques, mais il va falloir peut-être s'y mettre, parce qu'il faut pas mal de ressources quand même, hein. Je suis pas encore prêt en tout cas à en fabriquer. Ville pointe, j'y suis allé, je crois qu'il n'y a rien qui nous intéresse, je crois pas vous l'avoir montré, mais on l'a vu dans le dernier let's play. Mais ouais, par le magasin de vêtements, il n'y avait rien d'intéressant, même là, rien que je recherchais même au niveau des recettes. On va se diriger, bah tiens, on va peut-être aller à Orbit, je crois,
C'est un marché d'esclaves et à partir de là, on pourra un petit peu traverser Goethe. Ce que je veux, c'est remonter, voilà, comme je vous avais dit. Cageton, je connais pas du tout ça. Howler Maze, je sais plus si je connais ou pas, si on l'avait vu cette ville. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est aller voir là, voilà. Dans les Cités-Unies, c'est vraiment pour chercher la recette de la Dark Samurai. Je pense qu'elle doit être dans les Cités-Unies, parce que c'est ici, je crois, qu'on trouve la recette Dark Samurai normale. Par contre, j'aimerais toujours votre aide pour savoir si c'est normal qu'à la forge, au niveau de. Pas Torianzo, mais c'est. Oui, si c'est à Torianzo qui fabrique. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer l'armure de samouraï? Je l'ai pas ici. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et même l'armure que j'ai apprise. Vous savez qu'on a appris à côté de Soe. Pas de Soe, de Todedera. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de l'armurier là qui a été ajouté. J'avais acheté les. Ça m'avait coûté une blinde en plus, ces putains de. Ces putains de recettes d'armure là. Et je les ai pas. Je les ai pas ici. Je sais pas où c'est que je peux les avoir. Bon. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc je sais pas s'il manque une condition. Si vous pouviez. Je sais pas si vous en savez plus, si vous pouvez m'éclairer. Ou sinon. Va falloir qu'on se débrouille de découvrir tout ça. Hein. Parce que ici, au niveau. Mais je crois qu'on avait déjà vu ensemble. Hein, Voilà, j'ai plus rien à apprendre. C'est ça qui m'embête. Alors après, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il me faut. Attendez, Smithing. Voilà, peut-être qu'il me manque ça. Nouveau type d'armure, et non, c'est Unholy Armor. C'est simplement le Unholy Armor que je débloque. Il me faut 10 livres. Nouveau bâtiment, Machined Armor Bench. C'est un nouveau bâtiment que j'ai. Alors peut-être qu'il faudrait que je débloque ça. Peut-être qu'au final, je peux quand même débloquer. Comment ça s'appelle l'armure de samouraï. Il me faut seulement 10 livres. Et de l'alliage de cuivre aussi. Il me semble qu'on en avait sur quelqu'un ici, l'alliage de cuivre. Par contre, les 10 livres, je les ai plus du tout. Hein. C'est la dèche. Ouais, bah il va falloir. Il va falloir la caravane. Il va falloir trouver tout ça avec la caravane. Hein. Il va falloir qu'on rachète des livres. Mais là, on n'a plus de sous, on n'a que 22 000. J'aurais bien gardé des sous au cas où. Au cas où pour la jambe de Lusty. Parce que Lusty, je sais que. Alors, je sais plus à Hank s'ils vendent ou pas des membres robotiques. C'est possible que oui. Mais je sais que. À Mastoc, c'est sûr qu'il y a un vendeur. Après, voilà, il faut pas que ce soit un machiniste ou un squelette le vendeur, sinon on est dans la merde. Allez, vous savez quoi, moi, pendant qu'ils avancent, je vais aller nous mettre de la musique. Voilà, toujours mieux avec un petit peu de musique. Alors, j'ai même pas vu si. C'est bon, tout le monde suit, ça c'est cool. Allez, on va juste voir un petit peu ce qu'il y a à vendre ici, rapidement, et après on part direction Gut. Où va y avoir de l'action là, hein. On va entrer dans le vif du sujet directement avec les becs pointus, ça va pas plaisanter. Allez, on va voir au niveau recette ce qu'ils ont ici à proposer. Je suis pas sûr qu'ils aient quelque chose de bien de toute façon, hein, là. Ouais, nomade loupante, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici. Il y a un magasin derrière, je crois, voilà. Et après, de toute façon, sur la place ici, ouais, c'est des marchands normaux, hein, donc on s'en fiche. Je vais d'abord aller voir Naya, sinon après, elle va repartir en protection sur notre cher ami Shanogan. Trahi, trahi renforcé, chapeau paille, ouais, no bad cuts, tout ça, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. C'est bon, niet. Ici, qu'est-ce qu'on a? Gâchette fatale. Ça, c'est du nom, hein. Gâchette fatale, sérieux. C'est un arbalétrier échec ou pas? Ouais, je suis en train de penser, est-ce que je vais pas recruter encore des gardes aussi pour la ville? C'est vrai que ça me manque. Je prendrais bien un petit chèque en garde de la ville.
Qu'est-ce que vous en pensez? On a aussi Jacques Longer. Il est plutôt bien proportionné, il faut le dire. C'est tout ce qu'on a en choix. Vous savez quoi? Je vais voir si je peux recruter elle, puisque je vois qu'elle a l'air déjà équipée. On appelle cachette fatale, tu veux deviner pourquoi? Un truc à voir avec le tir? C'est ça. J'ai dégommé plein de gens, surtout des esclaves pour être précis. Ah ouais, d'accord. Sympa la personne. Est-ce que j'ai du mal à dormir? Non. J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi. Moi, je m'en fous. Hein. Rien à faire. Je sens que... voilà. Et au moment que tu m'aides à une toile, bah, c'est nickel, ça. Bah, c'est parfait. Elle pourrait être aux tourelles à la base. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va rejoindre notre escouade. Bon, là, elle va nous dépanner quand même dans l'escouade jusqu'au moment où on va rentrer chez nous. Ok, elle est super mal équipée. C'est de la merde. Ah ouais, d'accord, pas terrible. Par contre, ouais, arbalète, ouais. Putain, elle a pas de tir de précision? Ils sont sérieux? Ok, et elle a même pas d'arbalète sur elle. Elle a même aucune arme. T'as de... Ok, t'as même pas d'arme martiaux, t'as rien. Bah c'est génial, en plus j'ai même pas pu refaire ta tronche. Oh, le son du harpon qui traverse un crâne en plein dans le mille, ça fait tellement longtemps. Ok. Bon, bah écoutez, va falloir que j'y passe une seconde arme qui a quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que je peux lui filer à elle? Ou je revois, attendez, ses stats. Ouais, bah là, 0 ou 1. Ça change rien. Lusty, t'avais pas d'armes, toi, dans ton sac à dos, là? Ah bah, Raiden, t'as 50 millions d'armes, Raiden. Ah voilà, écoute, hein, tu vas lui filer. Bah Raiden, je crois que de toute façon, vu que tu as le bras en compo, je crois qu'il utilise sa seconde arme. Donc pour l'instant, tu vas lui filer celle-là. Voilà. On va faire ça comme ça. Pour l'instant, on est un peu à l'arrache. Hein. Parce que pareil, il va falloir récupérer aussi Drogo et Psycho. Attendez, on va les redéplacer un petit peu dans le groupe. J'ai envie de mettre Psycho avant Drogo. Drogo, elle là. Non, après. Et Taurus en dernier. Voilà. Voilà, voilà. Sacha Nogan, il sera pas le seul chèque dans l'équipe. Il est content. Bon, écoutez, ici, c'est sûr, hein, y a rien d'autre à faire. Marchand d'esclaves, on s'en fiche. On va direct, hein, on va plonger dans Gut. Hein, là, c'est parti. Hein. Regardez ça là-bas. Je suis sûr qu'il y a des œufs là-bas. Ah, j'en suis sûr. On va plonger dans la bataille, là. Allez, on accélère. On accélère, on va voir si l'équipe va tenir le coup. Hein. On a quelques costauds quand même, hein, donc j'ai pas trop peur de me lancer dedans. Hein. C'est eux qui devraient avoir peur. Voilà, ça c'est cool. Hein. Je sais plus, ça vaut 6000 je crois. Oh, il y a un sabre troué en plus, c'est cool. Ce sera parfait pour Drogo ça. Boom. Boom, boom, boom. Est-ce que tout le monde est là? J'ai pas l'impression que la nouvelle venue soit là, non? Alors, gâchette, de toute façon, là, toi, tu vas te faire démembrer. Allez, bah écoutez, c'est parti. Hein. J'espère qu'on va pas tout prendre d'un coup sur la tronche, c'est tout. Là, ça arrive petit à petit. Putain. Ce serait bien que vous attaquiez par derrière. Vas-y, Raiden. Allez, vas-y, peut donner des gros coups, là. Il se bat ou pas, gâchette? Allez, bien. On a déjà Psycho et Drogo qui sont à terre. Bon, après, ils sont pas costauds encore. Eux. Ça, c'est bon. Ça tient le coup. Raiden, essaye de pas perdre ton autre bras, déjà. C'est la première chose que je te demande. Garde ton bras droit. Ah, Raiden, tu vas devoir rester à un bras pendant quelques temps. Hein. Je suis désolé, hein, mais là, c'est difficile de faire autrement. On va vite les empêcher de se lever parce que sinon ça va être la galère cette histoire. En même temps on récupère quelques trucs pour la base. Putain lui j'avais pas vu qu'il était tombé sérieux. Ah, Naya c'est toi qui portes tout. Ah, je relève à chaque fois pour pas avoir les malus. Hein. La peau j'ai peut-être pas tout récupéré non plus. On en a déjà récupéré.
Allez, là, il a bien récupéré encore. On va prendre que la viande cette fois-ci. Ça le tue ou pas, hein? Que la viande, ouais. Ça va d'être un peu chaud quand même là, non? Putain, Phoenix, il prend, hein, il prend cher quand même, hein. Mais il résiste, hein, il résiste bien. Shanogan, ça va, là, il résiste bien. Ah bah, Phoenix est tombé. Eux, ils sont pas morts. Ah, elle est toujours debout. Elle prend quelqu'un de sa force, c'est ça? Un petit bec pointu. Yes, Shanogan, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu peux récupérer. Putain, je t'ai pas enlevé ça. Il va falloir que tu récupères celui-là aussi. Ah, viens, Naya. Ah, je sais, je te dérange en plein combat, Naya, mais bon. Tiens, viens aider ta compère, là. Ton nouvel associé. Qui rejoint les élus de Thanos. Et qui sera futur garde au harpon. Oula, Phoenix, il est retombé. Raiden, ça y est, il a fini par tomber. Ok, putain, il a une jambe à moins 71 quand même. Ça y est, elle est tombée. Oh putain, mourante, direct. Gâchette fatale. Ouais, bon, elle est pas encore très résistante. Hein. Cobra, tu vas vite me récupérer la nourriture. C'est pas grave, on n'envoie pas Naya. Tu vas soigner Gâchette fatale puisqu'elle est mourante. Ouais, ils devraient se débrouiller les deux là. Ah mais ils nous font un peu mal hein. On a quand même du monde qui est tombé hein. Il y a quoi sur lui, Shanog? T'avais pas grand chose, tiens, tu peux récupérer ça. Toi, c'est vrai que t'as le super sac à dos. Shanogan, tu vas peut-être soigner en premier Raiden, je pense. Putain, la pauvre Lusty, là, elle sert à rien, quoi. C'est un poids mort, là, hein. J'aurais dû la laisser dans un lit quelque part et venir la chercher sur le chemin du retour. Ah, c'est bon, allez, ça se lève, ça se soigne. C'est bien, Phoenix, il se lève maintenant. Alors qu'il a bien pris cher quand même. Rogo, ça y est, debout. Ça, c'est cool. Drogo. Il faudra que je devienne médecin aussi, hein. Ce serait bien. Alors. Ouais, je me disais, putain, je vois plus rien. Est-ce qu'on les a tous faits? Je suis pas certain. Il est en galère, Shanogan. Il est en galère, Shanogan. Non. J'espère que ce soit bien rangé. Il est où, Taurus? C'est maintenant que je le réalise. Hein. Il est passé où, Taurus, là? Il a la ramasse encore, je parie. Il s'est bloqué quelque part. J'en ai marre. Je l'ai pas mis en garde du corps. Je l'ai complètement zappé. Mais complet là. Hein. Il est au point de départ. Putain, en plus il se bloque. Prochain animal, ce sera un garou. Hein. Je crois qu'il saute un petit peu mieux. Il reste moins souvent bloqué. Hein. On verra. Oh, c'est la catastrophe là. Allez, on slalom, mon petit Taurus là. Allez, on avance là, hein. On va pas t'attendre nous, hein. T'es trop loin là. Tu nous rejoins et tu te débrouilles. Bon allez, on va commencer à récupérer tout ça. Là, on a de l'argent à se faire. Je vais faire un petit coup d'œil chez les gardes. Alors, Shanogan, vu que toi tu cumules, tu vas garder sac. Je vais pas remplir sur toi. Sur Naya qui cumule un petit peu moins les choses. Tu vas récupérer allez, les œufs. Ça va prendre une place false. Hein. Putain, t'as réussi à tout prendre? Ah, quand même, on en cumule. Oh, on en cumule quand même. Cool ça. Sabre troué. Drogo, c'est pour toi. Viens chercher. Ah, la sorgue à ce moment-là. Alors.
Drogo, montre-nous. Est-ce que ça a l'air d'être aussi pourri que celui que tu as déjà? Je pensais qu'on aurait un petit peu mieux et il coûte un poil plus cher. Ouais, il est à peine mieux. Voilà, c'est cool. C'est chouette. Voilà, on a gagné une arme. Vraiment, mais vraiment à peine juste au-dessus, quoi. Bom. Naya. Je veux juste voir, j'ai pas fait attention au prix que ça coûte. 4200, merde, je pensais que c'était plus cher. C'est pas assez là. C'est pas assez. Le problème, c'est que là, si on repart dessus dans le combat, ils sont tous morts là. Il y a Raiden qui vient de se lever. Ah oui, mais on a zappé. On a zappé gâchette, gâchette tranquille là, gâchette facile. Gâchette fatale, pardon. Faut que je la renomme, même si je peux quand même. Cobra, va la chercher, s'il te plaît. Taurus, on a quasiment plus de viande à manger. Hein. Va falloir faire cuire tout ce qu'on a. Je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais nous sortir de là. On va aller là. On va construire une tente, on va se reposer. Je vais faire cuire la viande qu'on a récupérée. Et on va se retrouver juste après. Et c'est reparti, deuxième round. Tout le monde est bien reposé, là. Let's go! Attaquez pas toujours le même. Voilà, un peu sur les autres. Celui-là. Phoenix, tu vas attaquer celui-là. Hop là, déjà tombé là. Ouf. Allez, Taurus. Ça se fait bien castagner là. Qui a le gros sac à dos? Tiens, Shanogan, toi tu vas ramasser. N'inquiète pas, ils se débrouilleront sans toi. Allez, on ramasse celui-là aussi. Allez, perdez pas toute votre vie sur un seul, là. Fracassez-moi ça. C'est bien, Shanogan. Ramasse. C'est good. Alors, c'est bon, on n'a pas trop perdu de vie. Pourquoi le scie est par terre? Bah oui, Drogo, il est tombé. Ah là là là, ils sont pas costauds hein, ces nouvelles recrues hein, quand même. Hein. Il va falloir vite gagner. Ouais, c'est les nouvelles recrues qui ramassent pour la peine. Boum! Allez, on continue. On est à peine revenu là où on était. J'ai laissé les tentes ici, comme ça si on doit à nouveau venir se reposer. Bon après c'est grand, hein, Gut. Je sais pas où est-ce qu'il y a encore... Où est-ce qu'il y a encore des endroits où il y a des œufs? De toute façon, ce sera vite vu hein, dès qu'il y a un regroupement de becs pointus. Là-bas, j'en vois un. Il est seul. Là, il n'y a rien pour l'instant. Ah, je pense qu'on a déniché quelque chose vers là-bas. Je fais halte, je vois rien. Je sais pas si c'est que je suis trop loin ou c'est qu'il n'y a rien du tout ici. Non, j'ai rien là de visu. Hein. On va les éviter, mais bon, si c'est pour se faire prendre un sandwich après, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. On va voir, on va continuer notre chemin de toute façon. On n'a peur de rien, nous. On n'est pas des petites peureuses, on y va comme ça, nous on fonce. Hein. Eh ouais, on passe à côté d'eux là. Là-bas, je vois qu'il y a un regroupement. On traverse, on traverse en plein milieu, on trace, on est comme ça. Ah, je tourne bien, je regarde si si je trouve où est-ce qu'il y a, il y a un petit nid là. Il y a des trucs comme ça, non? Ça, il y en a pas en principe. Non, normalement, faut qu'il y ait plein de becs pointus dans les alentours, sinon. Sinon, c'est qu'il y en a pas. Attendez, attendez. Là, pourquoi je vois plein de trucs que je peux ramasser? C'est quoi ce bordel là? Là, il y en a. J'ai raté ça? Oh, c'est quoi ce gros laguet? Merde, bah du coup, je suis perdu là. Ouais, ça doit être là-bas là. Où est-ce qu'on est sur la carte? C'est complètement. Oh putain, mais il y en a plein, non? C'est là où il y a les papates à chaque fois. On va tenter, attendez, là où il y en a une là. Oups.
Oui, elle est comme ça, avec la carte, comme ça je repère bien. Ah ouais, c'est le bonheur ici, il n'y a personne. Ils sont combien là? Ah si, il y en a quand même. Allez, ils dorment? Je savais pas qu'ils pouvaient s'allonger. Ah, ils dorment, sérieux? Regardez, il y a Bambi bec pointu qui dort. On va pas la réveiller. On vient en douce comme des gros traîtres là. On va les fracasser là, par derrière. Allez, c'est parti, on passe en vitesse normale. Parce que là, on va en prendre plein sur la gueule. Allez, on se sépare. On les chope par derrière. Allez, c'est bien. Allez, on fracasse là, on fracasse du bec pointu. On en prend plein la tronche, on augmente notre résistance. Allez, Psycho, il a fait une petite roulade. Il est où, Drogo? Ouais, allez, c'est bien. Elle est tombée, elle. Allez, Drogo, bats-toi. Battez-vous, fracassez-moi ça. Shanogan, reviens en arrière. Toi, tu vas vite ramasser, là. Je t'avais laissé ton sac à dos. Allez, viens les chercher, là. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Ceux-là, ils pourront pas se lever, au moins. Oh, c'est un massacre, là. C'est un massacre qu'on est en train de faire. C'est magnifique, hein. C'est magnifique un massacre comme ça. Alors. En plus, il y a des armes là, ça c'est cool. Shanogan, tu vas me récupérer les armes. On verra un petit peu ce qu'on a récupéré si ça vaut le coup. Et les œufs, ça va être Naya. Tu vas remettre ton sac à dos, Naya. Tu vas me ramasser aussi tout ça. Oh, il y en a pas mal ici là. Hein? Ah, mais on va se faire de l'argent, hein. C'est le but, hein. C'est la stratégie là, hein. Clairement. Une lame ninja, Shanogan, viens ramasser la lame ninja. Allez, reviens vers les tiens. Alors, état des lieux là, c'est bon. Les costauds sont debout. Raiden, il a tenu. Psycho, mauvais état, mais il a tenu. Pareil pour Drogo. Bon, elle est à terre, hein. Drogo, tu vas la ramasser. Est-ce que tu peux avec un seul bras? Je suis pas certain là, ouais. Eh oui, il a beau bras. Toi, tu dois pouvoir, Psycho. T'es où, Psycho? C'est bon, tu l'as ramassé. Tu l'avais peut-être déjà sur toi. Ok. Bah, pourquoi ça se cumule pas automatiquement? Bon, on commence à en avoir quelques-uns. Ça pèse combien, ce petit truc-là? Ok. Ça va commencer à faire lourd hein, pour la petite Naya. Un Shanogan après qui portera. Shanogan, on a récupéré quoi? Alors, une arme d'ast lourde, ouais. Fragment de cleaver, ouais, c'est pas top, hein, oh là là. Oh, mais ça, j'en veux même pas, quoi. Dans l'inventaire, ça se vend seulement 100, quoi. Non, ça va, c'est de la merde, hein. Ah, c'est les œufs qui nous intéressent, hein, clairement. Clairement. Bon, mais écoutez, on va faire sur la carte, hein, on va faire le prochain nid, on va aller là. On va aller là, on va s'y attaquer. Allez, tant qu'on tient le coup. Tant qu'on tient le coup, nous on y va, hein. Alors. Oh putain, ils sont quelques-uns là. Ils sont quelques-uns. Il n'y a pas énorme là, hein, franchement, quoi. Il y a quoi? Il y a 2 œufs seulement. Il y a 2 œufs. Putain, c'est quoi tout ça qui arrive encore? Il y en a 4. Un peu tendu là. Hein. Ça me paraît un peu tendu là de s'attaquer à ceux-là. On va attendre que cela passe ou alors on se les fera peut-être en premier. Non, attendez. Voilà. Alors, revenez un petit peu en arrière. On va attendre qu'il passe. C'est quand vous voulez. Gâchette facile, pourquoi t'es pas avec nous? T'étais pas censé être porté par quelqu'un, toi? C'était pas psycho, t'as pas fait le boulot là, t'as pas voulu la porter ou quoi? Ah, mais t'as l'hostie déjà. Ah, mais c'est pour ça que je me suis fait avoir. T'as l'hostie sur toi. C'est dommage parce que là, l'hostie, elle peut pas nous aider, quoi. C'est pas cool.
Est-ce qu'ils nous voient ce groupe? Pas l'impression, on va aller peut-être les contourner, les éviter, on va éviter de perdre de la vie sur eux. On va venir là, on va aller fracasser l'autre groupe là-bas. Elle s'est fait aggro ou quoi là? Oh putain, oui, non, alors, surtout pas que. Attends, si elle sait. Si elle en a aggro d'autres. Oh putain, on a tout aggro. Il manquerait plus qu'on prenne ceux qui sont dans l'eau et on est mal là. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Flanagan, t'es où? T'es en plein cœur de la bataille. J'ai peut-être pas trop tiré. Naya, tu viens de le faire. Donc tu sais quoi, tu vas récupérer toi la nourriture. Voilà. Naya, je te veux sur le coup là-bas là. Viens les aider là, ils sont seuls là, Shanogan et Phoenix. Raiden, ça va, tu t'en sors. Ça va pour l'instant, putain, ça y est, on a pris les trois autres là qui étaient dans le coin. Ça va être tendu là. Non, non, Shanogan, tu restes par là, là, tu vas pas en chercher. Putain, il y en a encore deux autres qui arrivent. C'est la catastrophe, il y en a trois. Il y en a trois, on est complètement encerclés là. Ah, mais Psycho, il va pas tenir là. Putain, on est bien entouré, hein. Et on arrive à les descendre, on y arrive. Ah, il y en a encore trois qui se ramènent. Oh putain, c'est pas possible là. Oh. Ah, c'est chaud patate là. C'est chaud patate, ça donne quoi? Oh, ça va, les costauds, ils gèrent. Ils gèrent bien. Putain, même Raiden, il gère, hein, le petit Raiden. Oh. Il n'y a personne qui tombe, bon, à part gâchette facile, forcément, hein, avec son niveau dégueulasse. On rappelle qu'elle a quoi? Elle a rien du tout, hein. Voilà. Oh, allez, bam, un grand coup. C'est bien, Taurus, tu nous aides bien. Allez, Phoenix, ouais. Ah, mais du coup, Raiden, j'ai pas trop regardé les animations que tu avais. Mais c'est vrai que ça a l'air beaucoup mieux qu'avant, hein, avec le patch d'animation. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On a fait un gros massacre. On va vite un petit peu les abattre, hein, complètement, là. Hop là. Attends, on va récupérer de la nourriture là-dessus. Hein. Ah, tout ça à cuire, oh là là. Ça va prendre un temps fou, ça. Il va falloir 15 000 feux. Il y en a combien qui sont entassés, là? On a fait un massacre, hein. C'est pas un abattage de vison là, c'est un abattage de bec pointu là qu'on a fait. Hein. C'est un génocide. Hein. Ah, complètement, hein. On s'en cache pas. Hein. Ah bah c'est ça, on sait qu'ils protègent leurs œufs, mais bon, nous on a besoin d'argent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut paraître inhumain ce qu'on fait là, mais bon. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus humain hein, de faire ça pour le fric au final. Allez, c'est bon, je pense que je les ai peut-être pas tous récupérés parce que j'ai pas envie de faire le tri, vous savez quoi. S'il y en a un qui se lève, on le reparera vite. Ah bah c'est là, un petit peu plus loin. L'armée, on va venir par là, on va tous se regrouper. Oh putain. Ça boite, hein. Ça boite, c'est pas les plus costauds, ça va. Quoique... Non, c'est parce qu'il se met au même rythme que les autres. On se réveille, là, on s'endort pas, les gens, hein. Quand il y a une bébête qui arrive sur notre gueule, faut se réveiller, là. C'est bien, bonne protection, bon coup de marteau. Allez, Psycho vient donner un coup de... Vient donner un petit coup de main. C'est bon, c'est bien. Allez, Nayasto qui va ramasser, là. Parce que Shanogan, je crois qu'il est parti. Allez, c'est bien, on se replie. Non, Shanogan, tu restes par là, s'il te plaît. On se replie, on se replie. Ah, mais tu marches lentement, toi, tu es lourd, c'est pour ça, Shanogan. Tu es très lourd. Quelqu'un d'autre pour ramasser peut-être alors. Alors, hachoir. Donc là, les armes, à mon avis, elles vont pas être terribles. Hein. Non, mais sérieusement. Bon, ben voilà, on va juste prendre ça. Hein. Même la planche, ça va être dégueulasse. Quoique la planche, c'est que ça vaut plus de fric. Non, le fragment de cleaver, tiens. La planche 310, allez, c'est bon, jette-moi ça. Tu mets dans le sac. Dans le sac, petit. Voilà, ça vaut quasiment 1000, on va le garder. On n'a rien d'autre de bien, là. Hein.
pas terrible ici. Hein. Là, on a fait un gros massacre, on a pris cher pour pas grand chose. Elle est où vous l'avez soignée, c'est bon. Bah toi, tu peux pas la ramasser, bah, ça va être Phoenix, écoute. Hein. Allez, on va ramasser. Alors, Phoenix, c'est bon, tu l'as sur toi? Ok, allez, c'est cool. Allez, venez, on va tous se regrouper là. Bon. On laisse pas tranquille ici. Bon, ça va, on est assez costaud quand même, on tient bien dans le coin. Hein. On n'a pas trop peur d'eux. On les éclate bien. Allez, chacun donne son petit coup là, ça fait plaisir. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, prochain nid. Bah alors, j'en avais pas d'autres sur la carte. J'en avais pas que deux, là. Peut-être parce qu'on les voit plus. On va commencer à remonter petit à petit. Pardon. Ah, peut-être qu'on se les fera en deux temps. Hein. Je pense qu'on va, là, on va remonter. On va remonter Gut. J'ai envie après voilà de remonter vers Aang. J'aimerais bien trouver une jambe là quand même à l'hostie. J'aimerais bien qu'elle se batte avec nous parce que là c'est. Elle s'améliore pas du coup là. C'est un poids mort et elle s'améliore pas. Hein. J'aime bien le répéter, c'est un poids mort. L'hostie c'est un poids mort. Il y a de l'écho. Bah j'aimerais bien lui choper une bonne petite jambe. Comme ça, ça nous fera un combattant supplémentaire. Et vraiment qu'elle améliore ses stats d'arts martiaux, ce serait cool. Voilà, c'est ici, là. Voilà. Ouais, donc, d'accord. Si j'y suis pas, près de l'endroit, on les voit plus. Oh, putain. Il y a tout ça. Ah, là, ça fait plaisir. Là, il y en a des... Big Sing Egg. Il y en a un petit paquet. Ah, il y a un Swordfish. Je pense que même s'il a pas de couleur, autant il vaut des sous, peut-être, celui-là. Comparé au tout... ouais, à tous les autres équipements qu'il y a. Hop là, je me jette en plein milieu de la mare, moi, c'est ça. Il va falloir massacrer ça, là. Putain, Drogo, tu vas tomber, tu vas peut-être perdre ton bras gauche, même. Hein. Ah, s'il faut que j'achète aussi un bras gauche. Bon, ça va. Il l'a pas perdu. Allez, on a résisté tout à l'heure à la grosse vague, là. On peut résister à ça aussi, hein. Ça va être dur d'enchaîner encore derrière, hein, c'est surtout ça. Allez, Taurus, viens donner un coup de main. C'est bien. Le petit Raiden, il se débrouille bien, hein, mine de rien. Le mec, il a qu'un seul bras, mais vas-y, quoi, il enchaîne les coups. Il enchaîne. Ah bah, fallait bien tomber au bout d'un moment. Allez, Phoenix. Toi, t'as un gros résistant. Un peu plus loin à donner des coups, mais ils font mal. Ok, bon, on a perdu Raiden, on a perdu Drogo. Gâchette facile sur Phoenix. Bon, bah, Cobra, tu vas me ramasser Raiden. Naya, t'as personne sur toi. C'est bon, tu vas ramasser... C'est quoi, c'est Drogo, du coup? Allez, ça vous me le fera casser. Ça va, Taurus, toi? Oh putain, t'as quand même pris cher, Taurus, hein, je trouve. Ouais, quand même, quoi. Allez, Naya, c'est bien. Yes. Putain, il y en a un qui s'est réveillé, là. Ah non, c'est à nouveau, ça. Que je leur mets tellement cher qu'ils sont mourants, ou... Ah, ce qui est toujours un peu galère avec eux, c'est qu'ils font des attaques de zone, quoi. Ça nous fait bien mal. On va sortir de là. Ça la gouille. Alors, ici, ils sont quand même quelques-uns. Je pense qu'on devrait pouvoir se les faire quand même. Il nous reste les plus costauds. Combien ils en restent? Ouais, ça va, ils sont quasiment full. Ils sont quasiment full. Bon, on ne fera pas compter sur Psycho, hein, ça c'est sûr.
Et Taurus, à mon avis, il tardera pas à tomber, mais bon, avec les quatre qui sont là, ça devrait passer. Ouais, je pense, hein. On est confiant, hein, on est en pleine confiance là. On sait que ça peut être traître. On sait que ça peut nous apporter de mauvaises surprises quand on est trop confiant. Ah, s'ils viennent petit à petit, si on se prend pas tous les dégâts de zone, ça pourrait le faire. J'aime pas quand on prend tous des dégâts de zone, par contre, ça me plaît pas ça. Allez, bah, Losty, écoute, tu vas prendre part au combat, je vois que t'es par terre, hein. Ah, Taurus est tombé, bon, finalement, c'est mal embarqué, cette histoire. Putain, ça y est, Débarcus, là, ils arrivent tous, hein. Oh là là. Allez, Losty est tombé. Bon, je regarde qu'on n'a pas de mourant, quand même, hein. Oh, t'es tombé là, ouais. Même par terre, presque mort, il a une tête de psychopathe. Une vraie tête de psychopathe, le gars. Naya, c'est bon, ça résiste. Oh yes, il y en a deux qui sont tombés en même temps. Joli coup, je sais pas qu'est-ce qui a frappé, mais... Phoenix est tombé, ça y est. Bah là, ça commence à être tendu, hein. Là, clairement, hein. La Shanogan va bientôt tomber, lui aussi. Ah, ça commence à puer, là. Hein. Il nous en reste plus que deux debout. Ah, ça craint là. Ah là, ça craint. Hein. Yes, Cobra. Tu fais pas des dégâts de zone, Cobra, là? Ils sont deux sur toi. Sérieux? Allez, Naya, tiens le coup. Cobra aussi. Cobra, il va tomber en premier. De toute façon, c'est Naya qui va résister plus longtemps. Celui qui est sur toi, il te gêne pas quand même, là, non? Normalement, ça fait juste encombrement. Pénalité, vitesse de course, on s'en fout, et furtivité aussi. Hein. Allez, Naya, t'en as plus qu'un. C'est gérable. Faudra quand même que je le retire vite. Ouf. C'est qui? C'est Phoenix qui a repris? Ouais, il a repris dans la tronche. Ça se passe comment? T'es bon, inconscient, coma de récup, inconscient. Ça va, ils sont tous en bon état. Ah bah si on se demande hein, qui c'est les meilleurs du groupe, hein, je pense que déjà en tête d'affiche c'est quand même Naya. Hein. Elle est souvent la dernière à tomber, hein. Bon, sauf aux ruines, hein, ils l'ont pris en traite, hein, coup derrière la nuque, ils l'ont fait tomber en premier, hein, mais sinon quand même, j'avoue qu'elle est assez costaud. Hein. Cobra et Shanogan y tiennent bien juste après hein, quand même, hein. D'ailleurs ce trio, on a Phoenix qui est assez résistant. Et après, on commence à avoir Aiden qui tient un peu le coup. Losty, forcément, c'est une combattante de corps à corps. C'est difficile de tenir hein, pour l'instant, mais plus tard, elle va faire une Django. Hein. Elle va faire très très mal après. Toujours ça, hein, les combattants d'arts martiaux. Ils se révèlent bien plus tard dans l'aventure, hein, quand ils ont monté leurs stats. Hein. Au début, c'est galère. Naya, tu vas remettre ça. Tu vas reprendre encore un petit peu de nourriture. Comme ça, on va tous les tuer. On va faire un abattage. Après, c'est pour se nourrir hein, qu'on fait ça. Hein. Allez, c'est bon. Poussez-vous. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront se relever là. Ok. État des lieux. Tout le monde s'est soigné. Phoenix, pourquoi vous ne vous réparez pas? Pourquoi tu te répares pas? Robotique là. Pourquoi ça a été plus? Hein? Oh putain, il y en a encore qui arrivent, sérieusement. Phoenix s'était relevé là. Il a pris cher là. Allez, Phoenix. Ouais, beau petit coup. Yes, bien. Bueno. Allez. Bah, Naya, écoute, tu vas ramasser. Ils peuvent se débrouiller pour le reste. Naya, j'ai dit, viens. Viens là. Tu continues. On va pas prendre trop de risques non plus. Réussir, ça va.
Tout le monde est soigné. On va attendre un petit peu qu'il se lève. On a fait le plein de nourriture là, je crois. Ok. Ok, ok, ok. Putain, j'ai oublié. Oh là là, mais j'ai encore fait mon boulet. J'ai oublié le kit maker. Je l'ai laissé près des tentes. Je vais pas pouvoir reconstruire de tente. Hein. Putain, Shanog, il est tombé. Rien à y ramasse. Après, je vais commencer à foutre par terre hein, la nourriture parce que là. Qui est-ce qui se récupère, qui se lève bientôt? Personne? Personne, personne. Ok, donc on a trop de monde par terre. Ça va être compliqué. Là, j'ai clairement 1, 2, 3, 4, 5 à ramasser. Parce que Shanogan, il va bientôt se lever. Et combien de récup? Moins 24. C'est pas pour de suite. Et non plus. Et non plus. Elle non plus. C'est embêtant tout ça. J'ai pas envie de laisser quelqu'un à terre en plus ici, quoi. Bon. Écoutez, en attendant, on va aller ramasser, on va aller se servir hein, déjà. Pas oublier de récupérer tout ça quand même. Vas-y, commence par ce qui nous intéresse. Les œufs. Toi, tu pourras pas les cumuler dans le sac hein, en plus. Ouais, t'as atteint la limite. On va récupérer la swordfish. Je veux voir du coup. Oh, j'ai un 395. C'est de la merda. C'est de la merda. Phoenix, tu dois avoir de la place. Ben voilà, c'est toi le prochain. Allez chercher ce qui reste. Allez, Phoenix. Compte sur toi. Ça. Puis le reste, on laisse tomber. Hein. On laisse tomber le reste, ça vaut rien. Niette. Que dalle. Alors, tu vas plutôt les mettre là. Tu peux les cumuler dans ton sac. Bah ouais, c'est bon, nickel. Bon. Bah écoutez, je vais voir comment je fais. Un peu galère quoi, sinon faut que je... Et non. Je peux pas transporter tout le monde. Je vais attendre qu'il y en ait au moins un autre qui se réveille avant de partir. Bon, mauvaise nouvelle. J'ai dû abandonner les lieux parce que là, on n'arrêtait pas de se faire attaquer. Et même en avançant, enfin bref. Shanogan, Cobra étaient tombés. Ils se sont relevés il n'y a pas très longtemps. Trop dangereux de rester à attendre sur place. Et voilà, j'ai dû faire un choix. Hein. J'ai dû abandonner quelqu'un derrière nous. Hein. Et ben c'est fait repérer, hein, donc voilà, gâchette facile, fatale, pardon, je pense qu'elle aura pas été, comment dire, une élue de Thanos très longtemps, voilà, même pas la durée d'un let's play complet, ouais, voilà, hein, là il y a sa jambe droite qui va disparaître, dommage, hein, elle avait commencé un petit peu à monter ses stats, bon, hein, elle avait de bonnes stats en tourelle en arbalète, c'est vraiment dommage, hein, on aurait pu en faire un bon garde, hein. Là, malheureusement, il y a sa jambe qui est en train de se faire dévorer. Donc, nous, on se barre, là. Hein. On est là, on va pas revenir. On avance à deux à l'heure. Et puis, on a pris trop dans la gueule. Hein. Ah, des fois, il faut savoir laisser un membre derrière soi. Hein. Ah ouais, quand il faut se replier. Voilà, hein. Plutôt de venir sur nous, il cherche à la manger. Hein. S'il fallait encore se battre contre 6 comme ça, là, avec ce qui nous reste, vu l'état dans lequel on est, c'est... Après, une hécatombe. Il vaut mieux faire un sacrifice. Thanos apprécie. Bah non pas qu'il apprécie de l'avoir se faire dévorer, hein, mais voilà, hein, il a apprécié sa combativité, d'avoir voulu nous rejoindre et voilà quoi. C'est bon, bah ce sera certainement le troisième perso qu'on va perdre au cours de ce let's play. Hein. Je rappelle, c'est pas énorme, hein, quand même au bout de 200 jours, 3 persos morts, voilà. C'est ça reste une bonne moyenne, enfin c'est un bon chiffre hein, quand même, on n'a pas eu de grosses hécatombes, hein, voilà.
Attends, il y en a encore un qui nous tombe dessus. Voilà, ça va. Si nous tombe au compte-goutte dessus, ça peut le faire. Hein, on peut gérer. Et voilà, le problème, c'est que si Shangan tombe, Phoenix retombe aussi. Il y en a pour un moment avant qu'il se relève. Ah, mais il y a un autre endroit là aussi où il y a un nid. Je pense que là, de toute façon, une fois qu'on se sera reposé, je tracerai à Aang et ensuite à Mastog, voir s'il y a une jambe pour la Lusty. On restera pas plus longtemps dans le coin. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de perdre complètement la gâchette. On la voit même plus là, au milieu de cette mare de sang. C'est deux maintenant qui sont en train de se faire un festin. Assez beau, hein, on dirait le lac des cygnes là. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? Waouh! Ah, ça voit un petit screen, ça, non? Je sais pas. Là, c'est con, il y a tous ces fils là qui passent là. Quelle horreur! On voit rien là. C'est même pas drôle. Ah, on voit rien, hein, c'est dommage, hein. On va essayer de faire un screen comme ça. On va prendre la tête, tiens, de l'autre. Je peux pas faire plus à terre. Ah, c'est dommage, là, ça rend moins. Ah, ils sont pas assez synchro. Ces horreurs. Enfin, je rigole, c'est horrible. Hein. Je veux dire, s'il est en train de se dérouler là. Ben voilà, il est plus. J'ai voulu cliquer. Elle avait disparu. Voilà. Gâchette fatale. Elle n'avait pas un nom qui était fait de façon pour être avec nous. C'est pas un nom qui colle trop avec tout ce que j'ai créé là comme perso. Donc c'était normal qu'elle vive pas très longtemps. Oh putain, là-bas, faut pas qu'il nous tombe dessus. Hein. Clairement quoi. Par contre, il y a des œufs là. Ça m'intéresse. Dès qu'on a récupéré, on va peut-être faire un petit. Vous voyez hein. Jamais ce que je veux qu'il s'ouvre. Peut-être un petit crochet, vous voyez, on fait là un petit crochet, whoop, et on repartira à The Eye pour remonter vers Aang. Je pense que ouais, il y aura un petit crochet qui va être fait par là. Ah ouais, ça me paraît essentiel. Allez, bien sage. Bon chien, au repos là. Il est quelle heure? 22h à 22h d'ailleurs, d'accord, il se couche. Peut-être que si vous avez quelqu'un qui est vachement bon en furtivité, là, à 22h, il vient, il fait nuit. Et il ramasse quoi, tranquille. Il se serre. Ouais, autant c'est une technique. Hein. En tout cas, il fait bien jour là. Hein. On voit que le mode il marche bien là. Hein. Ça doit peut-être pas être un endroit trop sombre de base ici, Gut. Mais là, on y voit vraiment bien comme si c'était le jour limite. Là, on a bien la lanterne qui est allumée. Bon, allez, écoutez, c'est bon là. On est safe, je pense. Malheureusement, on aura perdu quelqu'un. C'est pas réjouissant. Hein. Ah, c'est que maintenant qu'ils nous le disent que Gâchette Fatale s'est fait manger vivant. Ah, la pauvre. Ah, je crois qu'ils ont fini de la dévorer, là. Là, ils ont sucé ce qui restait de son cerveau. Hein. Là, c'est bon. Hein. Ils ont léché les os. Hein. Il reste plus rien, là. Là, il reste que le squelette. Hein. Nickel. Hein. Bien nettoyé et tout. Donc voilà, si on veut, un jour, on pourra aller chercher à l'intérêt quelque part, mais bon. Allez, on va se reposer sur ces belles paroles. Voilà, c'est bon, c'est bien reposé. Maintenant, on pourra attaquer. Alors, je voudrais me faire encore un dernier petit nid avant de repartir en lieu sûr. Ouais, ça la gueule. Bon, il y a ces deux-là qui nous tombent dessus. Moi, ce que je vais aller faire, c'est là, juste là-bas. Allez, on traîne pas, on se les fait, hein, ces deux-là. Voilà. Je récupère plus trop toute la bouffe. Hein. Je m'embête plus avec ça. Ouais, c'est bon. Allez, on était attaqué par des sabres rouges. J'avais juste laissé la base ouverte. Comme je voulais un petit peu débarrasser les cadavres. Qui étaient juste à l'entrée. Donc j'ai laissé la porte ouverte pour faire ça. Allez, on est où? On va se rapprocher. On va se les friter. Ouais, je commence à emménager un petit peu là, à l'intérieur du bâtiment. J'avais dit déjà il y a un moment que je fabriquerais des cages et tout. Donc ça y est, là, j'ai commencé à lancer les constructions. Donc ça va pas arrêter de s'afficher.
Faudra que je redéplace 2-3 trucs ensuite. Allez, on se jette dedans. C'est parti, il y en a un paquet. Hein. Oh. Allez, on va se séparer pour pas tous prendre les coups. Voilà. Tu vas dans le tas, Cobra. Naya, je veux bien que tu ailles dans le tas aussi. Ou attaque-toi derrière, tiens, là. Voilà, attaque-toi là. Allez, on va voir qu'est-ce qui survit à cette attaque. Oh, le style est déjà par terre. Bah écoutez, elle veut frapper, c'est très bien, je trouve. Raiden est tombé, ça y est. C'était du rapide, hein, cette fois-ci. Il tenait mieux d'habitude. Drogo. Ouf, il a pris cher, Drogo. Oh, bah Psycho, ça va, il tient bien, Psycho, là. Il suffit que je dise ça et ça y est, là, il se fait complètement défoncer, là. Ah, il est en mode je me protège là parce que je me fais attaquer de tous les côtés. On est pas en bonne position pour l'instant, et clairement là. Enfin, il y en a un paquet quand même. Hein. Ok, bon, bah, Psycho est tombé. Drogo, Taurus aussi est tombé, putain. Bon, bah il reste les 4 survivors. Hein. Ah, bah il y a le Sty quand même, et le Sty. Bon, bah voilà, il suffit que j'en parle. Là, les gens, je trouve quand même, on prend cher là. Va falloir faire un petit peu le taf, les gens, là. Ce serait bien d'en éliminer quelques-uns. Bon, Zhao Shaogan est seul contre 3, c'est mal barré. Cobra, seul contre 2. C'est clairement mal embarqué, là. Je compte sur toi, Naya. Phoenix aussi, tu peux peut-être faire le taf, là. Ah, Raiden s'est réveillé. Oui, il prend l'aggro, mais putain, qu'est-ce qui est tombé, c'est Cobra. Cobra est tombé. Ça, c'est pas bon, ça. Shanogan, il tient bien pour l'instant. Naya tient plutôt bien. Putain, son bras robotique, hein, Phoenix, il a pris cher, là. On sent qu'il s'est protégé avec, là. Allez, essaye de placer un coup, Phoenix. Yes, Naya. Naya, c'est bon, là. Elle commence à dégommer. Alors, attends, Naya, j'ai pas envie d'être... J'ai pas envie d'être attaqué par une horde qui se réveille. Tiens, va aider Phoenix. Voilà, très bien. Shanogan, là c'est bon, t'en as qu'un, là tu devrais t'en sortir. Raiden est tombé, vivant. Psycho, c'est bon. Il a bien mal au bras gauche, hein, par contre, Drogo. Taurus, c'est un survivor. Cobra, bah, faut attendre qu'il se relève. Le Sty, c'est bon. Allez, c'est bon, Naya, elle fait le ménage. Il va falloir plus de monde au katana quand même, hein, pour avoir des attaques rapides. Là, c'est un petit groupe avec beaucoup d'armes lourdes, je trouve très très lent dans les attaques. C'est bien, ils sont très costauds, hein, mais lorsqu'ils attaquent, ça met une grosse praline, mais c'est trop lent. Il faut du monde au sabre et au katana, je trouve c'est beaucoup plus rapide à attaquer. Il faut équilibrer, quoi, voilà. Quelques-uns avec de grosses armes et pas mal avec des armes plus légères. C'est vrai qu'on n'a pas d'armes à l'étrier aussi. Hein. Non, on n'a pas du tout, c'est un peu dommage. Ce petit groupe est parti en expédition. Allez, c'est bien, on a repris le dessus. Cobra revient à la charge. On aura bien morflé quand même. Hein. Il va y avoir encore une pause après ça. Oh là 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 là. Bon, on les a pas tous nettoyés. Allez, on va le finir, c'est très très bien. Il a pas pris si cher que ça. Hein. T'as pas de kit médical? T'en as plus? Shanogan, t'en as pas un... Putain, que des petits à lui passer, sérieux. Taurus, je suis sûr qu'il en a, Taurus. Ouais, il en a des gros, Taurus. Va commercer avec Taurus. Va te filer du kit. Voilà. Lusty, tu t'en sors, allez, soigne-toi. Pourquoi tu n'as plus le truc pour te soigner, Lusty? T'arrêtes pas? Bon, c'est bien, elle se bat quand même quand elle est à terre, ça c'est cool. Ça lui fait augmenter un petit peu ses stats. C'est chouette, c'est chouette. Après, elle peut pas trop esquiver, donc je pense qu'aussi elle prend très cher à cause de ça. Vu hein. Qu'elle a que 17 en mêlée en étant à terre, l'esquive c'est pas possible. Hein. Faut pas rêver.
Elle a moins de chances de se faire taper, hein, vu qu'elle a plus de jambe gauche. Ça laisse un petit vide, hein, vous savez, hein, si on essaie de la taper là-dedans, ça fait rien, hein, taper dans le vide. Hein. Ok, allez, on va ramasser nos blessés. Phoenix, toi, tu portes rien, tu vas prendre Taurus. Vous l'avez soigné, ouais, c'est bon. Ok. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à se servir, hein. Comme d'hab. Hein. Qu'est-ce qu'il n'y a rien dans son sac? Phoenix, je sens que tu es un petit peu léger, toi. Allez, va me ramasser tout ça. Après, on ira vendre. On va faire des pépettes avec tout ça, là. Très bien. On aura fait un bon boulot, je pense. Bon, il en aura sûrement d'autres, hein, Denis, mais bon. On n'est pas venu y passer la journée, hein, ici. Et quoi que... On y passe un peu le let's play, quand même. Allez, ça, c'est bon. Je vais... On est comment? Est-ce qu'on marche vite ou pas? Bon, c'est pas du rapide, rapide. Est-ce qu'on a tout le monde, là? Lusty, elle est portée. Psycho, Drogo, c'est bon. Il y en a un qui s'est levé là, éliminez-le. Un petit coup et ça devrait suffire. Voilà, exactement. Bon allez, on va s'avancer. Je vais nous avancer jusqu'à Hang, où du coup ben, tout le monde se reposera là-bas hein, directement. Hein. Je rachèterai des matériaux de construction pour refaire... tente, tout ça. Là, c'est bon, j'ai pas envie de repartir en arrière. Allez, je vais faire ça en avance rapide. Ok, chouette. Bah, on est arrivé du coup à... Comment ça s'appelle? À Hang. Donc là, on y est, au bar. J'ai posé tout le monde là pour se reposer. Il arrive pas à bien se reposer, lui. Il a un bras qui est un petit peu nerveux, je crois. Il arrête pas de sauter. Alors... j'ai vu du monde à recruter, donc ça c'est cool, bah, vu qu'on a eu une perte, hein, écoutez, on a d'autres futurs gardes en vue pour la ville. Je pense qu'il y a lui, Longstoad, qu'on va recruter. Donc ce sera un chèque, hein. On a perdu une chèque, on va gagner un autre chèque. Ça fera un garde. Blabla, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Les gens, ouais, 3000... Allez, c'est bon, viens. Comment on va l'appeler, lui? Longstoad, j'aime pas trop ce nom. Kodran. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein, c'est venu comme ça. Je vais pas lui refaire la tête. Voilà, position, juste pour un peu changer. Allez, on va prendre celle-là. Ok, c'est bon. Et j'ai repéré aussi un robot, là. J'en ai pas des comme ça. Donc c'est cool. On va le prendre. Lui, ce sera sûrement un travailleur. Si tu cherches un ingénieur, je suis plutôt doué. C'est parfait. Parfait, même si comme ingénieur, tu vas travailler. F. Ouais, allez. Je réfléchis, hein, mais bon, si j'ai envie de l'appeler autrement, mais bon. On va garder ça. Il a quoi? Il a arme contendante, il a travaux, mais c'est parfait, travaux. Force 30% aussi. Ingénierie. Et tout le reste, ouais, il a pas de dextérité par contre. Enfin, il gagnera pas beaucoup en dextérité ni en activité athlétique. Ok. Même robotique? C'est pas top pour lui, ça. C'est pas cool. Tourelle, science non plus, ouais. Donc lui, ce sera un travailleur. Hein. C'est parfait. On n'en avait pas des comme ça. On s'en fout de son nom, vu que, bon, voilà. Ouais, du coup, il était avec son pote Fade, mais Fade, on peut pas le recruter. J'aime bien sa tronche, franchement. Sa tête me revient bien. C'est cool. Donc voilà, là c'est bien, on en a deux qui nous rejoignent. Un futur garde, un futur travailleur. On va les mettre direct garde du corps sur notre pote là-haut. Et il faut que je vois si ici il y a quelqu'un qui vend des membres robotiques. Alors des fois c'est un petit peu caché dans les bâtiments comme ça, voilà. Ben voilà, robotique workshop, cool. Pourvu que ce soit pas un squelette qui vend, pourvu que ce soit pas un machiniste, on va prier. On va prier Thanos. Et qu'il écoute nos prières. Allez.
qu'on puisse acheter une petite jambe à l'os, quoi. J'ai pas de thunes. Oh merde, j'ai pas de thunes. Ah oui, non, mais c'est bon, faut que je vende des trucs. Putain, fais chier. Docteur squelette. Non, mais j'en ai marre, là. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol, sérieux. Ah, faut que je vienne le voler, là. Je sais pas, hein. T'as combien en furtivité, tout ça? Parce que si elle est allongée par terre, qu'elle rampe de nuit, pensez qu'on peut le voler. Oh non, ça me gave, là, sérieux, on va pas s'en sortir, là. Oh là là. Bon, on va vendre un peu le bordel qu'on a, hein. J'y pensais plus, mais ouais, on aille vendre des œufs. Je peux même pas vendre à lui, du coup. C'est infernal, tout ça. C'est infernal, mesdames et messieurs. On va pas s'en sortir. Oh putain, il y avait pas un machiniste ici, là-dedans? Oh putain, quand on est maudit jusqu'au bout. Hein. Alors là, je cherche toujours, hein, s'il vous plaît, dites-moi. Statut diplomatique pour les squelettes. Statut diplomatique pour les machinistes. Je lance un appel d'aide, s'il vous plaît, aux abonnés. Aidez-moi à les trouver. On est sur le mode Genesis, hein, faut pas oublier. Donc, ah, faut connaître, hein, là, clairement. Hein. Bam. Ah bah ça y est, on s'est fait tirer. Allez, bam. 25 000 direct. Hop, 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 c'est dans nos poches. C'est fait, c'est acté. Il nous faut des livres. Ça, c'est clair. Après, mais le reste, on le fabrique. Hein. Par l'alliage, on fabrique pas encore, mais bon. Ça ne saurait tarder, je pense. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin, mais... Mais ça ne saurait tarder. Tout le reste, on sait faire. Bon, peut-être pas l'équipe de réparation en boutique, c'est pas encore au point, hein, mais... On saura les faire sûrement prochainement, puis je crois qu'il nous en reste en stock. Non, écoute, toi c'est bon. J'ai vu un vendeur d'armes dans le coin. Bon, on va faire lui déjà. On se fait attaquer à la ville, mais bon, je pense pas que ce soit dramatique. Allez. Montre-moi tes réserves, t'inquiète pas, moi j'ai... Montre-moi tes sous. Animal pack, donc ça je vais pas fabriquer les animal pack, on les achètera si on en a besoin. C'est pas un truc vraiment prioritaire, hein, ça. Qu'est-ce qui est resté? J'avais dit, j'avais vu un vendeur d'armes, il est là. C'est bien, on se fait des sous, là, ça c'est cool. J'avais dit que ça rapporterait. Hein. Ça rapporte. On nous en reste sur d'autres persos en plus. Hein. Ça, c'est chouette. Ah. Ah. On l'a. On a notre jambe. C'est bon. Oh putain, le bol. Ah, il faut bien un petit peu. Hein, dans tout ce merdier, avoir un petit peu de chance quand même. Left, c'est la jambe gauche. C'est parfait. Elle coûte un bras, hein. Sa jambe coûte un bras. Mais écoutez, on a une jambe. J'ai même pas, j'ai acheté, j'ai même pas regardé les stats. Bon, bah, furtivité, elle en aura pas, hein. C'est tout. C'est pas grave. Elle garde au moins l'activité athlétique. Elle coulera dans l'eau, c'est tout. Pas grave, ça non plus. On aura un F pour aller la chercher sous l'eau. Sabre désert. Ah bah ouais, ça comme recette, ça pourrait être intéressant. Sabre désert. Je sais plus ce qu'ils ont comme stat, mais bon, vu qu'on l'a pas, on va prendre. Sabre anneau, ça on a. Katana, on a. On a. On va pas acheter d'armes. On va faire les rats là-dessus. Allez, il faudrait que j'aille récupérer. Il y avait Shanogan aussi, non, qui en avait. Non, t'as des merdes à vendre, par contre, Shanogan aussi. Qu'est-ce qu'on a ici comme autre vendeur? Là, on n'a rien d'autre. C'est quoi ce bâtiment? C'est à vendre. Résidentiel. Ah, il y a un truc de vêtements ici. Viens ici, Shanogan.
Ouais, mais les gardes ils s'en sortent là, ils sont toujours vivants, c'est que tout va bien. Toi, si tu viens là, ça c'est quoi? Ça c'est du résidentiel. Ah, ici on a une pharmacie. Et attendez, je suis perturbé. Ah, ouais, voilà, ça c'est la deuxième partie. Ouais, mais là on a dit ça c'est la banque. Là, je sais toujours pas comment ça fonctionne ça. J'y mettrai pas nos sous. On en a besoin. Vendeur d'esclaves. Une autre pharmacie ici. C'est intéressant, faut voir la différence. Et ça, c'est General Store, une des marchands. Faudrait qu'on jette un œil aussi. Bon, déjà, on va vendre là. Après, je crois que j'en ai sur Cobra aussi. Écoute, moi, j'ai plus que celui-là à vendre sur elle. On va un petit peu ce que tu as, toi, à vendre. Chemise blindée rouillée. On a d'autres, non? Des chemises blindées, pas à peine qu'elles soient rouillées. Si on peut éviter de prendre un truc rouillé, voilà, on a la chemise blindée normale. Tissu, non. Col roulé, on s'en fout. Chèche, on s'en fout. Sandale, on s'en fout. Côte de maille. Côte de maille, on n'a pas. Il va nous falloir ça quand même. Le treillis, c'était quoi? Ça, on connaît treillis avec blindage secret. Bon, on va regarder, alors l'autre, on s'en fiche. Les chemises, j'ai pas regardé si j'en ai fabriqué des chemises d'ailleurs. Peut-être des cuirs, j'en ai fabriqué. Mais peut-être pas assez, tiens, pour l'instant. Peut-être falloir que je lance un petit peu, ouais, quelques chemises en fabrication, ça pourrait être bien. Et je crois que j'ai encore rien fait niveau code de maille. Je manque de travailleurs, là. Ah, putain. C'est ça que je veux faire. Je veux... Regardez, on va envoyer Naya. On va la renvoyer directement... Pourquoi Naya, d'abord? Prendre quelqu'un d'autre ici. Quoique non, elle va aller voir le sty déjà. Elle va aller voir le sty au rez-de-chaussée en fait. Je voudrais aller parler à l'aventure guide qui va envoyer du monde, des travailleurs chez nous. Qu'est-ce qu'il y en a qui est en forme? Bah Cobra, de toute façon, il va falloir que tu te lèves. Tu vas aller parler à l'aventure guide. Shanogan, tu peux vendre ce que tu as en trop. Putain, on va être perdu si on fait. Ouais, vend. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les squelettes c'est trop cher, hein, j'ai dit, on va prendre des humains. Ils sont pas mauvais pour les travaux, hein, les humains. 5000 coûte 5000 lui, après il faudra que je paye encore 3000. C'est des escrocs. Hein. Il faudra peut-être que je recrute carrément tous les humains qu'ils nous envoient. Hein. S'ils nous en envoient 4, je recrute les 4. Là, on va en faire encore quelques sous de toute façon. Ne vous inquiétez pas. On va faire de la thune. Non, les caps, ça m'intéresse pas trop. J'aime pas en avoir trop, donc... On va faire de la thune. Voilà, là, il nous reste des œufs. Tu vas aller voir lui. Parce qu'il doit lui rester des sous, hein. Il lui reste 38 000, hein. C'est bon. On va lui prendre tout ce qui lui reste, hein. Ok, ensuite, donc, Naya... Tu pas encore arrivé? Bah alors t'es bien lente. Hop là. Va falloir que je lui passe. Membre. L'espace d'une microseconde, j'ai cru que je m'étais trompé de jambe, sérieux. J'aurais eu les boules. À ce prix-là, elle en revient cher. Hein. Ah, elle en revient cher, hein, là, le Steam, mais bon. On lui doit bien ça quand même, elle est bien dévouée à Thanos, donc on lui a pris une belle petite jambe. La pauvre. Bon, c'est cool, on retrouve le sty parmi nous. On va laisser se reposer encore un petit peu, elle ira un petit peu se dégourdir plus tard. On verra si elle marche bien avec, si ça lui fait plaisir, si elle retrouve ses sensations. C'est le plus important, hein, surtout pour un combattant en arts martiaux, bien retrouver ses sensations une fois qu'on t'a changé de jambe. Tout naturel, hein, tout ça.
Toi, ouais, ce serait. Ouais, mais tu iras pas te reposer. Quoique, est-ce qu'on tente le coup, tiens, d'aller se reposer chez le. Est-ce qu'il va l'accepter, le Robotic Workshop? Allez, on va tenter, on est joueur. Je sens que ça va foutre la merde. Mais parce que là, quand même, il a. Ça fait depuis longtemps qu'il s'est pas reposé. Est-ce que tu veux bien? C'est pas à moi, ouais, bah, ok. Bon, bah, dégage. Dégage. On va acheter un oeil, ce qui se passe à là-bas. Ah, oui, d'accord. Tu veux acheter quoi? Ah, suspense, hein, on va encore attendre. Je vais retourner à la base, vous inquiétez pas. Parce que là, je sens bien qu'on est en train de se faire attaquer par du lourd. Ça, j'avais regardé. Chemise tissu, sans dans la bois. Ouais, c'est bon. Si je recheck un petit dernier coup. That's good. Binfold. Un truc comme ça. Cobra, non, ça ira pas, à mon avis. Ouais, non, ça va pas. Dommage, c'est sympathique ça. Pas design, hein, parce que la protection, 20% à la tête, c'est dégueulasse quoi. Ça fait pas grand-chose. On va partir, allez, on va voir un petit peu ce qui se passe chez nous. Parce que là, on se fait attaquer par du lourd. Les paladins, ok. Il est où l'inquisiteur? Est-ce qu'il y en a toujours un? Je vois pas d'inquisiteur. Bon, c'est juste un paladin. Qu'est-ce que c'est que ça, double? Pourquoi tu as un mec sur toi? Ah oui, c'est que tu vas l'envoyer au four à cadavre. Il n'y a pas de paladin. Il n'y a même pas de grand paladin ou il est déjà tombé? Quand même pas déjà tombé. Non, il n'y en a aucun qui est tombé chez eux. Tiens, ils sont assagis, il a dit. S'ils m'envoient pas de grand paladin ou d'inquisiteur, alors ils vont arriver. Ah bah c'est bon, c'est open bar les mecs. Non mais c'est bon, j'ouvre hein, dans ces cas-là, hein. Venez, hein. Comme ça tout le monde vient se mêler à la bagarre. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils sont peut-être pas encore là? Je vois qu'il y a encore 2 points là. Il y a un point rouge là. Je vois rien bouger. Ouais, je sais pas. Bizarre qu'il n'y ait pas le grand inquisiteur. On va se les défoncer là. Hein. Voilà, c'est des petits nouveaux qui nous ont envoyés. Hein. C'est juste pour dire, eh oh, on existe toujours. Hein. La nation sacrée existe toujours. On vous envoie un petit peu de monde, mais cette fois-ci, on vous envoie pas, on n'envoie pas le grand paladin ni l'inquisiteur. On en garde quelques-uns chez nous quand même, parce qu'on les massacre tous à chaque fois qu'ils viennent. Voilà, hein, c'était pas grand-chose. Hein. Là-bas, il y a quoi qui se frite? Il se passe quoi ici? Bon, ça c'est d'autres, on s'en fout. C'est des sabres rouges, les ninjas des marécages. Je dis on s'en fout, mais on va se mêler à la bagarre, non? C'est ça. C'est à nous tout ça, c'est tous nos travailleurs là. Ça en fait du monde, hein. Ah putain, on va se friter loin hein, quand même. On va se friter loin. Les gars, interdiction de se battre même en dehors de chez nous. Hein. Carrément, on va aller chercher jusque là quoi. Sabre rouge. Donc, je rappelle, hein, un de ces quatre, on ira faire la caserne de la base des marées. La base des ninjas des marécages. Un jour, j'oublierai pas. Hein. Je pense qu'on va les éclater, hein. Sincèrement, ils sont faibles hein, maintenant. Ah ouais, c'est des petits joueurs maintenant. Bon, je vais laisser ouvrir la base le temps que tout le monde rentre. Ok, tout le monde s'est levé. Le style, non, je voudrais que. Je sais que t'es content d'avoir ta nouvelle jambe. C'est classe, hein, c'est cool. Hein. Mais bon, tu te rendors, tu te reposes encore un peu. Raiden, c'est bon, t'as fini. Toi, tu vas te recoucher encore un petit peu, psycho. Drogo, ça. Il galère avec son bras, Drogo. Eux, on s'en fout. Qui est-ce qui avait encore de quoi vendre des choses? Oh, bah, Phoenix. Phoenix, mais là, je crois il a plus de sous, lui, non? Bah, t'es là, Phoenix? Oh, bah, c'est cool. On va vérifier. On va vérifier ça ensemble. Oh, le gros tas, là, tu te pousses. De russe.
Phoenix, viens, viens. Viens me parler. Ah putain, il ne reste quasiment plus rien en dessous. Laisse tomber. Laisse tomber. Shanogan, viens par là vu que t'as tout le monde qui te suit. Phoenix, où est-ce que tu pourrais vendre? Bah là où j'ai dit, du coup on va jeter un oeil un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est des pirates qui attaquent, ouais, c'est des pirates ça. Oui, c'était en contrebas là, non? Ouais, je voulais aller voir ici. Peut-être que tu pourras te faire réparer aussi, on sait pas, on va voir. On va voir, on va voir. Après, bon, écoutez, moi, on va pas traîner plus longtemps que ça ici. Là, on fait que du marchandage. Ouais, hein, y a rien d'autre. Hein. Y a rien d'autre, y a rien d'autre. Sympa, hein, le pont aussi, hein, putain, qu'ils ont fait. La classe. Ça rend bien. Ça en impose. Alors. Déjà, lui, on peut lui parler. C'est un chirurgien. Ouais, bah écoute. C'est tout. Que des lits normaux. Tant pis. T'as des sous ou pas? T'as rien. T'as rien, sérieux? T'as que dalle. Bon, on ira tout vendre dans la cité suivante. Écoutez, hein. Ouais. On va sortir tout le monde. Écoutez, on va se retrouver. Cool, la sauvegarde s'est faite en plus. On se retrouve directement. Pas Belette, non, non. À Mastok. Bon, on est arrivé du coup à Mastok. Je suis à l'armurier du coup, mais j'ai... Il me dit que la Dark Samurai, je la connais déjà, la recette entière. Donc bon. Là, j'ai acheté celle du Ashigan, du... casque évasé et la Wonder Tarbar, mais il y avait de l'armure Dark Samurai à vendre en très belle qualité, mais pas la recette. Ça m'énerve par contre, je comprends pas que l'armure de samouraï il me dit que je la connais déjà alors que je l'ai pas quoi, je peux pas la créer, ça me saoule un peu. Voilà, voilà quoi. Qu'est-ce que je vais acheter ici? Est-ce que je prends un autre backpack comme ça? Ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être le prendre pour un de nos nouveaux venus. Là, je suis quoi? Je suis avec elle. Naya, faut que j'achète des livres. J'en ai pour combien là? Non, si je prends tout, ouais, ça coûte un peu cher, mais c'est pareil, il me les faut. Ok. Ça m'énerve quand même pour cette histoire de dark de armure samouraï là. Je peux pas la crafter, je comprends pas, je sais pas ce qu'il me faut comme comme prérequis. J'ai l'impression que normalement il n'y a pas grand chose, hein, donc je comprends pas trop pourquoi je peux pas la faire. Je ne vois pas, je ne vois pas. Des bouquins, j'en ai déjà acheté. Est-ce que j'en reprends encore? Voilà, on sera tranquille. Là, c'est bon, j'en achèterai plus après ça. Hein. J'ai dépensé 10 000 là. Kikobra, non. Ouais, toi, faut que tu viennes un petit peu vendre. Viens là. Où es-tu, Phoenix? Allez, go! Va me vendre ce qui te reste de. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne pars pas. Ok, on est monté déjà à 60 000 en 2-2, c'est très très bien. On va venir là. Bon, je pense que la recette de la Dark Samurai, on devrait la trouver dans le coin quand même. Mais j'espère qu'elle apparaîtra, quoi. Dans la forge. Allez, on a vendu. Je voulais, tiens, peut-être un petit peu changer de sac à dos.
Est-ce que je lui prends comme ça? Ouais, je lui prends un XL des Arpac. Yes. Le site t'as quoi toi comme sac à dos? T'as normal, ok. Et tu as matériel de construction toi? Bah si, j'avais peut-être récupéré alors le kit maker. Je me dis peut-être des bêtises, c'était ok. Alors on va faire le point, est-ce qu'on a tout vendu? Ça c'est bon. Phoenix, on a dit que c'était bon. On a même vendu son sac à dos. Le style, ah bah là, même de quoi faire un petit peu des tentes. Toi, qu'as-tu, Raiden? Tu n'as rien. Et vous, vous savez, bah, Drogo, ouais, viens vendre ta merde, quoi. J'ai envie de te dire. Eux, ils ont que dalle. Et là, on n'a plus rien à vendre. Hein. Il faudrait que j'achète des vieux livres maintenant. On n'a pas énorme en sous hein, non plus, mais bon. De toute façon, après la prochaine étape, ça va être de vendre, comme j'ai dit, ce que j'ai à la base. J'ai déjà fabriqué pas mal de choses qui vont pas me servir et autant s'en débarrasser, ça va faire des sous. Ça va faire des sous et ça, on prend. C'est qui est là? C'est toi, viens là. Yes, un squelette encore. C'est mort hein, pour ces endroits-là, de toute façon, je pourrais plus leur acheter de bracelets ou quoi que ce soit, hein. C'est terminé ça. Tant qu'on ça ira pas mieux avec eux. On va voir ce qu'ils ont à vendre ici. Alors, regarde vite fait les armures, tout ça. Ok. Hop là, non, je regarde les recettes. On a toujours la chemise blindée rouillée. Ou 4 cloques. Non, mais ça, c'est les. C'est les capes. Un treillis matelassé. Le chose, on s'en fout. Treillis matelassé. Côte de maille rouillée, je l'ai là. C'était quoi la côte de maille que j'avais pas? Non, c'est la chemise blindée rouillée là, d'accord. D'accord. Chemise blindée rouillée, je sais pas ce qu'elle a, toujours pas rien par rapport à une truc normal. Bon. Rien d'autre qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici comme marchand? La bouffe, on va acheter un œil au cas où. Au cas où ils aient des recettes particulières. Le bar, on va aller voir le bar aussi, des fois qu'on puisse faire encore de petites recrues. Ah non, mais c'est pas le bar, ça c'est la police. Et ici le bar. Ah bah ouais, ça rappelle des souvenirs, hein, cette ville, hein, de toute façon, notre ville de départ. Hein. C'est ici qu'on a commencé. Mechanical Shop, ça, il y en a un deuxième alors, il y en a deux de Mechanical Shop. Tiens, le style, viens voir. Ah non, putain, il faut toujours un bras pour Raiden. J'avais zappé Raiden. Ah ouais, si je trouve un bras quelque part aussi, il faut que je l'achète. Je pense à garder des thunes pour ça. Bon, il se débrouille bien à un bras, hein, mais bon. Le pauvre, il va pas rester qu'avec un seul bras jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du let's play, quoi. Ce serait pas cool quand même. Ah, je peux faire des trucs un peu dégueulasses, hein, mais bon, quand même. Il y a une Lock Ninja qui traîne ici. Depuis combien d'années elle traîne ici? Oh, il doit me rester des trucs à vendre dans le vieux truc du Hurricane, je suis sûr. Bienvenue client, comment puis-je t'aider? Alors. Hop là, déjà vous n'êtes pas des robots. C'est cool, mais qu'est-ce que vous avez à vendre vous? Mais voilà, des trucs qui m'intéressent pas, forcément. Non, ça j'ai déjà. Ah, il a sauvegarde. Allez. Plan avant-poste supérieur, ça on connaît. Ok, il y a un autre qui m'intéresse ici. Tant pis. Du coup, j'avais envoyé qui là? Ça
C'est pas toi, Naya, c'est quelqu'un qui est en garde du corps. Donc forcément, il a vite repris son rôle de garde du corps. Elle a un paquet de choses dessus quand même. Allez, ma petite Naya, on fonce. Hop là, il y en a un qui est pressé de partir. Hein. Ouais, donc juste de la bouffe, rien qui m'intéresse. D'accord, pas de recette, quoi que ce soit. Je voulais juste dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un à qui je peux parler, là? Ah, un vagabond. Ok, c'est marrant, tiens, c'est bon à savoir, il y en a un qui peut être trouvé ici. Richie Hut, Tech Hunter. Il a une main, lui? Sérieux? Il faut une torgnole là, une tarte dans la tronche, c'est bon, elle s'envole. Adventureur guide. Capitaine mercenaire. Il y a du monde ici, hein. Ah, mais il y a du vagabond recruté aussi ici. D'accord. Il y en a combien? Tu serais pas un esclave, toi, par ça? Attends, c'est quoi ce délire? Sur lui, The Wall, vagabond, ok, je clique sur lui, c'est un mercenaire. Mercenaire, le mec, il a des chaînes au bras, au cou. Ok, c'est un drôle de mercenaire, lui. Ou alors, il y arrive une sacrée aventure, je ne sais pas. Alors, dans ce bar, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a que des... C'est quoi, c'est des gardes de caravane. Ready. Ok. Ok, ok. On peut vraiment la recruter sinon par les autres vagabonds qui avaient des stats pourris, bien sûr. Toi, tu te la joues solo. Ok, bah écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, puis j'irai voir du coup au cours du prochain display. J'irai visiter un peu toutes les villes, là, toutes les autres villes, Bark. Et je sais qu'il y avait un endroit ici, peut-être Port du Nord. Où on avait vu pour la première fois la Dark Samurai, il me semble. Village riche distant. Mais ça me parle pas celui-là. On a peut-être découvert la dernière fois avec la bibliothèque. Et ouais, donc j'irai voir un petit peu là dans toutes les villes, voir si je trouve cette fameuse recette que je cherche pour la Dark Samurai. Ce serait cool. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain Let's Play. Ciao, ciao.